Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 379e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui, on met en place le code pour redistribuer les ressources. Allez, en route. Et pour la classe. Classe 11. Starting class. Il faut que je regarde la starting class. La classe, à la limite, ça peut peut-être permettre. De voir si ça se crame. Tu peux faire la tomate. Ok. Donc c'est la starting class que je veux. Merci avec un S majuscule. Avec la classe. Donc, si c'est les graines, je veux que ça mette en mode en mode 1. Donc 7 equal 4. Passer en mode A. R1, R4. Et alors. Et là, si t'es pas occupé, branch relative equal 0. R0, tu branches de 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, normalement, ça va me faire le sort de mes graines. Ça va trier mes graines. On regarde si la digital valve est occupée. Si elle est occupée. On regarde la sorting class. Si la sorting class vaut 4, on met le mode à 1, sinon on met le mode à 0. Ok. Continuez de le sauvegarder au fur et à mesure celui-là, parce que
si je perds tout, je suis embêté. Derrière, j'ai besoin de faire le... la partie in. En fait, à chaque fois, c'est out par rapport au RV et in par rapport au RV. Donc l'input des RV. Et on peut dire que tant qu'il n'y a pas un événement particulier, on définira ultérieurement. La condition pour que on active ça, non, plutôt on va faire la condition pour qu'on active ça. Et donc activer ça, c'est passer ça à open et mettre ça à pour 1. Ouais, 0-0, mais en mode... en mode 1. Et là, je vais dire que c'est... qu'est-ce qui est nécessaire, c'est... c'est pour Harvey... Healing. Et on va dire... que c'est quand on a l'autre batch slot d'horaire 0, on met les RV slot 0 occupied. Et le batch mode, je sais jamais. Average. Non, 0. Et load batch slot
R1, Hydro, le slot 0, Occupied 0. Je ferais peut-être bien de mettre la somme ici. Le minimum. Minimum. Le minimum. On va se mettre un alias Darby Call en R14. Et on va initialiser à 0, pour être sûr. Minimize ? Non. Minimum. Connais le minimum et le maximum ? Donc ça va me permettre de savoir combien de fois j'ai appelé les graines. On va dire que on va reset Arvico à 0 si Twitter Dan 0 0 range relative not equal 0 le R0 saute ça bon je saute ça je saute le reset tant que ça vaut 0. Dans ce cas-là, je ne reset pas. Ensuite, on peut faire un on peut faire un end R0, R0, R1
Je vais mettre tout de suite parce que sinon je vais oublier. Sur DVIN, on met Open 1 et on met le mode 0. Sur le flip-flop. Est-ce que je ferais pas le N avant? Non, je fais pas le N d'avant. J'ai besoin du coup de là faire mon end. Donc si c'est si les deux sont à 0, on va faire un alias vending des 0. On va faire un vending, c'est quoi déjà comme request hash? Déjà, t'as le setting. Normalement, il y a un setting à mettre. Setting, il request hash. Donc, setting à 1. À 1. Et set le banding. Oui. Request hash. R0 vending pas sûr qu'il y ait quelque chose dans le premier slot. Alors trouver le slot, il va falloir trouver le hash. R0 2
0. Du pain de hache qui vaudra 0. Il vaudra 0 si jamais il n'y a rien. Set equal 0 et 1 branch relative equal 0 et 1 et tu vas brancher sur moins 1 moins 2. Nous claquera une erreur si jamais c'est pas bon. Peut-être que je regarde un truc ici. Check FF. Out. OQ. Hide. Ça voudrait dire qu'on est bouché et qu'il faut pas ouvrir. Qu'il faut patienter. Donc, là j'ai réussi à avoir mon occupant H. Je peux le coller là-dedans. Et je peux faire un add. Arvicol, Arvicol 1. On incrémente Arvicol. Ah, c'est bon. Ici, on va faire un set equal R1 arvicol stes set less than R1 arvicol stes. Donc si le premier coup il est à 0, mettons, il avait été résisté, il est à 0. Il est à 0, il va se faire incrémenter à 1. Donc s'il y en a 1, c'est bien qu'il y en a 1 qui est passé. Donc si ça fait 16, c'est-à-dire qu'il y en a 16 qui est passé. Donc 7 less than, enfin branch relative. Branch relative less than.
Non, 7 Les Dan, pardon. R1 Harvicol 16. Donc on met R1 à 1. Tant que Harvicol est inférieur à 16. Non, je voudrais l'avoir à 0. Donc 7 critter equal. Donc ça passe à 1. R1 passe à 1. Si Harvicol fait 16 ou plus. Hello, Saddam. Et du coup, il est à 0 quand c'est 1 inférieur à 16. Donc je peux refaire end. R0, R0, R1. Et quand R0 est à 0, non, là, je veux que je fasse un or. R0, R0, R1. Dire que je bypass l'appel. Non, c'est soit bon, et le bypass, ça serait juste un branch relative not equal 0, R0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de end ou de or? Si mes arvis sont vides, mais que mes hydroponic devices sont pleins, et que lui a été reseté. Ou bien que je bypass, donc c'est un or. Ça c'est à 0, mais que ça c'est à 1, et ça à 0. Imé et Arvin, ils sont tous pleins. Et que ça, c'est à 0. Et que ça, ça fait 0, ça fait 1. Donc, on bypass. Et si ça, ça fait 1. On bypass. D'ailleurs, je l'ai appelé 16 fois, faut pas que j'en appelle un 17ème, alors que juste le premier n'est pas encore arrivé au premier RV. Plutôt que le 16ème n'est pas encore arrivé au dernier RV. On a un branch relative ici, un branch relative là, un branch relative là. Ok. Copie, confirme. Sauvegarde dans mon fichier à plat. Du coup, je voulais retourner voir sur le fait que mes chutes. Flip-flop. Chute input, chute output et chute output 2. Donc on peut regarder
suite output. Suite output 2. Si l'un des deux est occupied, bypass. Ce sera 1 ou 2. N'importe quoi. Ça. À 1 et c'est FF out pour FFR. Et on regarde 2. Et on regarde un or. Si l'un des deux est occupé, on va bypasser tout ça. Branch relative greater than 0. Branch relative not equal 0. Si R0 ne vaut pas 0, on va se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça évitera que ça bouchonne et que ça me fasse n'importe quoi. Et avec ça, j'en suis à 53 lignes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!